Ok. Salut à tous, c'est Darkusa, je suis à vous tout de suite. Je suis désolé si on entend mon ordinateur souffler, c'est parce qu'il bosse de ouf. J'espère que ça va pas trop déranger. Ouais, on entend avec malheur mon PC qui souffle. Ok. Faudra vraiment que je prenne un trépied. Une perche. Un trépied, n'importe quoi. Une perche. Mais bref. Ok. Je vois que ma caméra est mal placée, mais on va regarder. Je vais sélectionner une réserve. Savane. Fernando, le parc Fernando se trouve à le... J'avais commencé un petit peu, j'avais chassé une première proie et je l'avais abattu d'une première balle dans le poumon. Ok. Bah je... Moi je me ferais bien ça, réserve naturelle, la vallée. Non, la vallée c'est déjà... Je sais pas, peut-être ça. Un magnifique cerf. Allez, c'est parti, on va essayer avec celle-là et puis on va regarder. Let's go. Alors ça va être de la concentration pure et dure, je vais juste regarder où est-ce que j'en suis avec la caméra. Si la caméra est dans un bon plan ou c'est dans un mauvais plan. Ça sent le zboob, pas du tout. C'était violence. Non, on va essayer de bien chasser. On va dire c'est la première fois que je lance The Hunter Call of the Wild. Je m'y connais pas du tout en jeu de chasse. Hola, que tal? Escúchame. Welcome to Parque Fernando. We'll keep this brief before my nieces pendejitos act up again. Ok. Oye, deja esto. Si la insultaste, debes pedirle disculpas. No me mandé excusa. Ok, down to business. You came highly recommended as the warden to turn this slice of wild Patagonia into a world-class hunting reserve. Naturally, I expect you to hit the ground running, even though this is your first time here. Ok. Par contre, si comment ça peut voir, c'est chiant un peu. I'll start you off with some routine responsibilities. You can do this in any order. I don't care as long as you do the jobs well. I try not to micromanage. Well, not too much. Salut, Sven Lee. To get the lay of the land, you devine qui tu es. C'est une très bonne question. Climb on up and dis-moi. Take in the view. Easy. Dis-moi. There's also a hunting outpost nearby, and I'd like you to prepare it for upcoming guests. My gaucho friends do all the heavy lifting with the outpost. You just need to put on the finishing touches. Bring things up to the standard of a professional hunter. Then bring them up a little more. Genre, déjà, est-ce que tu... If you're reaching for a hunt, you can have some game for the construction crew building our central lodge. I like to keep the people who work for me fed and fed well. It helps them stay loyal. Oh, putain, attends, j'ai plus de... prepare anything but a puma. See what you can find in the area. I'll chime putain, in ma modératrice avant. Mais... Ah, attends. Miss... Oh, putain. Attends, oui. Ouais, je vois exactement qui t'es. Miss... Jeter sur Instagram. Je sais que j'étais sur Instagram, mais je me rappelle vraiment plus de ton blase. Je m'excuse. Putain, c'est vénère un peu. Attends. J'allais dire Miss Jirachi, mais pas du tout. Coucou. J'ai pas Miss Jirachi sur... Miss A... Miss Among Us, mais oui, bien sûr, non, c'est pas vrai. Non, en vrai, je sais pas.
Je me rappelle plus du blaze. C'est scandaleux un peu. Miss. Oh oui! Oh putain, c'est tellement. Oui, c'est juste, Miss Happy, oui, c'est juste! Bah dis donc, depuis le temps, comment ça se fait que t'as changé de blaze? Not all tracks lead to animals, so I Attends. always apply the sniff Je vais test. mettre là mon portable. If the droppings are fresh, your game is close C'est vieux by. tout ça, ouais, je But te if you jure. find all the droppings, that animal is long gone, and you should look for the more recent trail. Oula, longue histoire, ok. C'est genre quoi, du harcèlement, c'est ça? Parce que, en général, tu changes de blaze parce que souvent, il y a du harcèlement ou je sais pas quoi, des histoires. Attends, je vais essayer de défoncer l'animal qui est là-bas. Ah! Ah, les ex hyper jaloux, on adore ça. Attends, mais je le vois pas là. Ça, c'est chiant, les personnes hyper jalouses. Attends, mais je le vois pas. Ils me disent 60 mètres. 60 mètres, il y a un truc de chasse. 60 mètres. Bah, va te faire. Je suis désolé, mais va te faire enculer, quoi. Enfin, non, quoi. Je veux pas être vénère, mais. Je sais pas, tu interdis pas les gens de parler avec d'autres personnes, non? T'es taré? Il est fou, lui. Ah, je vois. C'est pour ça que j'avais plus de nouvelles de ta part. J'étais en mode bon, lol. Par contre. Mais je vois rien du tout, hein. J'ai quoi comme comme appel? Ouais, il t'interdisait quoi. Ça m'a bien pété les oreilles en tout cas. Puis j'ai quoi d'autre? Ça, c'est pour camoufler mon truc. Dark Posa, mais oui. Je te jure. Non, mais après, voilà quoi. Enfin, oups, non, tu ranges ce flingue tout de suite. Mais c'est vrai que. Mais il est où l'animal? Dans un moment, je vais le voir et je vais rien comprendre. Attends. Ah, mais peut-être qu'il y a des empreintes de pas et que moi je m'excite pour rien en fait. C'est juste des empreintes de pas. Il n'y a que dalle là. Hein. Ah, mais oui, mais putain, mais je suis con, c'est des empreintes de pas. Ça me manque trop tes streams, c'est trop gentil. C'est trop adorable. Si tu savais toutes les merdes qui me sont arrivées depuis, laisse tomber quoi. Problème de santé, c'était pas ouf du tout. Mais c'est pas pour parler de ma vie et tout. On va d'abord aller là-bas, au point le plus important. Je veux juste mettre un point de. Ah, mais j'ai déjà mis un point, donc ça va, tranquille. Mais c'est vraiment trop cool. T'embêtais à l'époque, ouais, je te jure. Ouais, non, mais je me suis dit, tiens, bon, la plupart des gens qui. La plupart des gens qui. Qui venaient mes. Envers qui, pardon, qui regardaient mes streams, ils sont plus trop revenus en fait. J'ai de temps en temps Scaloxys qui vient me dire coucou. Après, j'ai des anciens Tiziano qui est venu une fois. Mais sinon, à part ça, après, j'ai dû arrêter mes streams parce que. Parce que niveau de santé visuelle, c'était génial quoi. Genre. MDR, tu as 22 ans, tu risques de devenir aveugle. Ah! Oh. Yes! Mais voilà, après, bah, voilà. Sinon, recherche du taf, c'est la mort. Outposts, landmarks, hunting structures, Je you can see them all from a bird's eye view. Lookout points like this vais and all aller. over the reserves. Je vais aller regarder là-bas. Mais sinon, ouais, ça va quoi. Sinon, à part ça, je travaille mercredi et jeudi. Sinon. Un petit travail juste pour aller aider. Sinon, bah c'est la dèche au niveau travail, quoi. Il y en a pas du tout, puis ça me saoule un peu. Mais sinon, pour ça va. En vrai, ça va de ouf.
Ah là j'ai un bon point de vue donc je peux regarder, je peux voir pour trouver des animaux. Ok. Mais ouais, franchement ça. And you can see why. I name it for my husband Fernando. May he rest in peace. Alors franchement, je te souhaite du courage. Hein. Je te souhaite vraiment du courage et puis ouais, vraiment. Désespère pas. Faut pas désespérer, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que c'est facile de dire ça, mais c'est. Je suis dans le même bateau donc. J'avais pas vu un cri. T'as me tué avec ça. Elle me termine. Elle me termine. And my pack nourishes the biggest, most exquisite free-range ducks you'll ever hunt. World records are set. Tu es en alternance, cool. Some of them belong to me. Ok, ok. En BTS, en alternance. If you're as good as I'm paying you, c'est quoi, c'est un. Set some records. C'est pour avoir quoi, But let's not cut this torta before it's baked. We've got a lot to build. Non, par contre, elle est casse-couille, la dame. Wilderness to explore. Oui, oui, on s'en bat les couilles, madame. Je voudrais juste. Ta gueule. You see anything strange along the way. Elle va me saouler. Come straight to me and me alone. Loyalty is very, very important to me. Ah, c'est au-dessus du bac. Ok, ok. C'est juste qu'en Suisse, on a un système différent de diplôme. D'ailleurs, je crois que le bac. On s'en fout. On s'en fout, Simone madame. Going to find out the identity of her biological father. Is it Gaston or Facundo? Elle peut pas fermer sa gueule, la dame, j'en peux plus là. Elle a l'air gentille, mais. Ta gueule. Juste ta gueule. Donc je disais quoi? Oui, on a un système de notation différent en Suisse, enfin de notation, de diplôme différent. Et en fait, ah, il faut que j'aille là-bas. On va aller là-bas. On va d'abord faire ça, puis on va revenir sur les traces après. Et en fait, le diplôme, le bac, il est pas reconnu en Suisse. Je dis ça parce que j'ai une pote qui est habitée en France. Puis c'est la merde pour elle aussi de trouver du taf. C'est quoi? C'est un puma? Ouais, ok. Mais je vais pas, pour l'instant, je vais pas m'occuper du puma. J'en ai rien à péter du puma. Je vais aller voir dans le trésor. Tu dis bac, ah bah oui, nous c'est brevet, BEP, bac, BTS, master, licence. Le master, j'ai déjà entendu parler, je crois qu'en Suisse tu peux faire une. Comment tu peux dire ça? Tu peux faire une maturité. C'est pareil que le master en fait. Ah putain, l'animal il est dans les buissons là, ça me saoule. Ah d'ailleurs vendredi ça a complètement rien à voir, je saute du coq à l'âne, mais vendredi il y a Pokémon Snap, New Pokémon Snap qui sort, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le faire sur la chaîne, c'est vraiment cool et ça m'a rappelé des bons souvenirs, en plus remasterisé, enfin bref, tout ça pour dire que la maturité c'est la même chose que le master et que bah si t'as ça, bah tu peux faire des bonnes études quoi. Après ça dépend. Je sais pas si t'as la maturité. Je serai si je peux car il y a des Fortnite. Il y a les FCNS Fortnite en ce moment. Et je verrai. Non mais c'est juste histoire de lire. Hein. C'est papoter, y a pas de soucis, moi j'oblige personne à venir, tu vois. Ça me fait plaisir de vous voir de temps en temps. C'est quoi les FCNS?
Il y a les crottes du puma là. J'ai dit quoi? J'ai dit que j'allais, je devais pas, j'allais pas chasser pour l'instant. Ben, je crois que c'est mort, j'ai envie de chasser. C'est l'appel du chasseur qui. Trop contente. Ben, en tout cas, c'est vraiment plaisir de. C'est vraiment plaisir. C'est pas français, putain. Ça me fait vraiment plaisir, pardon, en tout cas, de te revoir sur mes streams. Ah, compétition, ok, c'est des tournois, ok. Cool, nice. Eh, par contre, frère, je le vois pas. Hein. Bah, vas-y, bats les couilles. Je vais chasser après. Peut-être que je me suis lancé dans. C'est quoi le holy shito? Ah, merci pour le host. Super sympa. Faudrait que je change le holy shito quand même. Hein. C'est éclaté quand même. comme son de host. Ouais, donc je disais, je me suis peut-être lancé dans une chasse pour chasser des animaux, mais peut-être que je vais rien avoir et puis j'aurai le seum. Je vais partir avec un monstre de. Avec une bête de seum. Bon, après, j'aurais revu une ancienne personne sur mes streams, hein, qui me suivait avant, ça me fait super plaisir, hein, mais. Ouais, du coup, je me suis dit. Parce qu'en fait, j'ai reçu la notification comme quoi tu m'avais follow. Puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre. D'habitude, il y a personne qui follow ma chaîne hors live. Puis ouais, ça m'a fait bizarre, tu sais. Je me suis dit, bon, ouais, ça doit être quelqu'un de random qui a dû kiffer ce que je fais, et puis voilà. Mais non, vraiment cool en tout cas. Je sais pas pourquoi je me concentre à fond alors que là, mon objectif, c'est juste d'aller là-bas. Why are you gasping for air? Know your limits. Mais on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, je dois pas chasser pour l'instant. Je m'en bats les steaks. On va aller chasser tranquillement. Tranquille, pépouze. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. D'autant plus que je suis pas en France, donc. Ah putain, ces feuilles-là, ça fait un monstre bordel. Enfin, ces plantes-là. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça fait autant de bordel, autant de bruit comme ça. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est. Ah, mais attends, mais c'est ma baraque, ça, en fait. Bah, je vais aller voir vers ma baraque. Mais c'est cool parce que ma baraque, elle est dans un bon point de vue, donc au calme. La surprise, surprise! Je m'étonne. Faudrait que je te remette. Faudrait que je te remette en modo du coup. Everything you need should be there. Set up the place. Every outpost in the reserve is a home away from home for our hunters. Once you set up an outpost, you are quand je regarde le cœur de mon personnage, tu le vois pas, tu es en mode il va faire une attaque cardiaque, c'est pas possible. J'imagine trop la scène, tu sais, t'es planqué derrière un buisson, puis t'es en mode. Bon allez, je te fais des bisous. Je dois ranger. Ok, pas de soucis. En tout cas, merci de ton passage. Super plaisir de t'avoir revu. Non, c'est pas nécessaire. Je suis modo de partout. Ok, ça marche. Merci en tout cas du passage. Prends soin de toi en tout cas. Ok, let's go. Alors. Ah. Petite baraque et tout, cosy. La meuf elle m'appelle Chet. Ou Chet. Le gars, ou Chet. Merci. Ok. Ok. Du coup, ce que je vais faire. Du voisin. Ah merde. Attends. Mais il y avait des traces là. C'est quoi ça? On va placer un marqueur. Bah on va prendre ces traces là. Elles sont loin les traces ou pas? Ah ouais, 500 mètres. C'est chaud. Attends. On va stepper près du marqueur.
Attends, mais je peux pas afficher la légende. Je peux pas me TP direct? Ah, c'est chiant un peu. Bon. Mais c'est pas grave. Ouais, mais du coup, là, j'ai... Ok, j'ai ça. Je vais aller explorer un peu de ce que j'ai. Alors, DLC. Verrouillé. Ah, mais j'ai que dalle. Hein. il est quelle heure d'ailleurs? Je vois où là, l'heure? Je le vois pas sur. Prélever n'importe quel animal sauf un puma. Ah, super. Ça marche. Ah, il est 7h. Ah, mais c'est déjà. C'est que le matin en fait. Ok, ça marche. Bah, on va éviter de prélever le puma, quoi, en fait. Moi, je sais pourquoi ils disent éviter de prendre le puma. Parce qu'on risque de se faire péter le cul par le puma, vu que. Vu qu'ils veulent nous protéger déjà de base. Dans un premier temps. Parce qu'on débute à peine sur le jeu, du coup. Si on se fait déjà péter le cul au début du jeu, ça va pas le faire. Mais, ok. Mais je savais pas qu'ils nous donnaient directement des armes comme ça, genre un sniper, un revolver et puis un pompe, je crois qu'on a. On a un putain de pompe, frère. Pour les. Attends. Mais ça, c'est une zone. Je suis où? Ah, je suis là! Ok. Il y a déjà un cri là-bas, mais je sais pas si je vais arriver à le voir. Putain, mais je vois que dalle. Putain, mais c'est scandaleux! T'sais, je vais voir un animal, la première chose que je vais faire, c'est je vais l'abattre. Ça va être un puma, j'aurai le seum. Pourquoi vous avez tué un puma? On a dit qu'on devait pas tuer le puma! Ouais, bah voilà. Écoute, j'ai shoot ce qui m'est passé devant, hein, donc voilà, s'il te plaît. Et du respect pour moi, s'il te plaît. Ok. Ah, mais il y a les traces là-bas, c'est bon, tranquille. Bon, vas-y, ta mère, on va se lever. Putain, il y a trop de végétation luxuriante, ça me termine. Et je suis vraiment désolé si on entend mon PC respirer à fond. Hein. Ce jeu, il est hyper gourmand au niveau graphiquement. Mais ça m'étonne même parce que je me suis dit que bah, c'est un jeu normal. Donc, enfin, c'est pas comme Red Dead Redemption qui lui, par contre, te nique la carte graphique. Hein. Mais il faut croire que bah, The Hunter te nique aussi la carte graphique. Attends, mais c'est quoi, 7h30 de la journée? Bon, vas-y, on va aller regarder ces fameuses empreintes. Mais je pense vraiment y jouer de temps en temps à The Hunter, parce que c'est vraiment un jeu où tu te prends pas la tête et tu dois... Même si tu butes pas un animal en premier temps, t'as quand même ce plaisir d'être à la détente, dans la nature, puis tu te casses pas trop le cul, t'sais, tu stresses pas trop. Ah, attends. C'est quoi comme empreinte, ça? Ah. Ok. Ok, on va tracer... Alors, attends, du coup, on va enlever le point de repère, là. Puis on va gentiment... On va gentiment tracer cet animal-là. Qui est un cerf. Il est au pas. Putain, ça fait monstre de bruit cette merde. Ah, puis j'ai le vent qui est pas avec moi. Attends, je vais essayer de me sprayer la tronche un petit peu. C'est quoi mon bruit pour le... Je crois que c'est ça. T'as
Putain, je vois que dalle. Oh, attends. 4, il me semble. Les traces de pas vont là-bas. Faut vraiment que je dégage de cet endroit. Pourquoi mon perso il a fait un 360 scoop? Là il y a des crottes. Mais c'est pas les crottes de notre cher ami. C'est quoi, c'est 6, ouais. Il y a des putains de crottes là. Ancienne. Ah putain, c'est casse-couille. C'est le pire endroit que je puisse avoir là. C'est pas un bon spot ça. Là, il y a des autres crottes, mais c'est pas les crottes que. Il y a une antilope là-bas. Tu devrais pouvoir la voir, non, l'antilope? Attends, je... Ah, attends. Ah, il est au trou, il a eu peur. Ok. Je vais juste répondre au message. Excusez-moi. Ok. Donc, mon attel se pète la gueule déjà de base. Hein, premièrement. Ensuite, nous allons. Mais oui, mais il y a l'antilope là-bas, on sait qu'il y a l'antilope. M'en fous de l'antilope. Mec, ça me termine. J'imagine trop la scène. Gars, il se lève. Mais j'ai pas. Attends, mais. J'ai pas. Attends. Ouais, là j'ai un inventaire. J'ai un leurre. Cervidé. Chevreuil. Lièvre en difficulté. C'est quoi que je chasse moi? Je sais même pas ce que je chasse. Ça m'intéresse pas, frère.
Attends, du coup. Attends. Ok. Attends. Du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'ai pas un dictionnaire ou un truc comme ça, des conneries pour savoir. C'est un cerf. Hémione, ok. C'est un cerf Hémione. Je vais regarder. Codex. Je crois que j'ai pris Yukiton. Pas du tout. Attends. C'est un cerf des moines, c'est celui-là. Alors, cerf des moines, cerf vidé, dont le surnom est cerf mulet, vient de la forme de ses oreilles ressemblant à celle d'un mulet. Bien qu'originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit dans d'autres endroits du monde, l'Argentine, ou à Bray pour la chasse d'un cerf qui est noir. Mais a évolué pour s'adapter au terrain accidenté. Il est noir, mais... Ah, attends. Plus large que le cerf de Bélin, souvent chassé... Attends. Chassé, il représente un trophée de choix comparé à d'autres cerfs. Ok. Bonne vision, excellente odorat et... Oh putain, on va se casser le cul, hein. Regroupement entrepôt mixte l'hiver, mais population mâle et femelle séparée dès le printemps. Actif dès l'aube du crépuscule. Appel, ok. Ok, d'accord, ça marche. D'accord, donc c'est le 6 que j'ai besoin, moi. C'est un cervidé, donc... Putain, faut vraiment que je dégage de ces autres herbes. Hein. Très ancienne, ok. Donc ça veut dire qu'il a tracé de ouf. Dans cette direction. Oui. Ce bâtard, il a tracé de ouf. Putain, je suis un monstre bruit sa mère. Ok. Bah ça va être la merde. Hein. Moi je vous le dis d'office. Donc ça va être la grosse merde. Ah putain, ça va être la merde.
Putain, mais je vois rien! Il est là. Enculé! Mec, j'ai... Oh putain, on l'a vu! On l'a vu à peine, mais on l'a vu. Ah putain. J'avais. Ah mais moi je vais pas le lâcher hein. Ah c'est mort hein. Je l'ai one shot, je vais pas le lâcher. Hein. Tu es à moi, tu es ma proie, petite pute. Très ancienne, non, non, non. Je kiffe pas trop ce qu'il a fait là. Ah, il a fait un truc genre tac, tac, il est parti comme ça. Ok. Non, non, mais je vais pas le lâcher, c'est mort. C'est mort de ouf. Très faible. Il doit être là-bas. C'est celui-là, hein. Putain, l'enfoiré, il se cache dans le... Vous l'avez entendu, il y a des pas. Il est là-bas. Je sais pas où il est, il doit être dans la zone là. On est à côté, on l'entend. Je sais pas où il est, je le vois pas.
Il y en a deux, je crois. Hein. Not all tracks lead to animals, so I always apply the sniff test. If the droppings are fresh, your game is close by. But if you find all the droppings, that animal is long gone, and you should look for a more recent trail. Là, je suis perdu, je sais pas où il est. Je l'entends. Je l'ai entendu marcher plusieurs fois. Putain. Ah là, ça fait chier cette végétation. S'il n'y aurait pas eu toute cette végétation, franchement, je crois que je l'aurais eu sans problème. Mais. Putain, mais je l'entends marcher, mais... Salm... Il y en avait deux. Oh yeah! Oh yeah! Il y en avait deux! Il y en avait deux! Oh. Ok, donc ça veut dire que probablement l'organe il a été touché. Saignement moyen. Putain, tu vas me dire que. Il devrait crever bientôt, non? Bah, je les shot dans le. Ah, je vais pas le laisser filer là. Ah, il est là, regardez. Il est là, se reposer. Ouais, bah frère. Regardez, on a notre première chasse. Yeah, j'ai touché où? Oh, ouh. J'ai fait un arbre. T'as vu un peu? Oh, c'est cool. Regardez. Oh là là. We have a saying here that truth is in the Milanesa, which is to say proof hey, is in action. Là-bas, elle est passée vers les poumons. Cher poumon gauche, foie, estomac. Putain, mec, j'ai touché 3. Now, head up to the lodge site. Mark on your hunter mate. Once the lodge is complete, we can officially open Parque Fernando to the hunters of the world. Et franchement, munitions adaptées pour cet animal. Animal abattu par 2 tirs ou moins. J'y tire une fois. Je l'ai tiré une fois dessus et puis je l'ai shot de ouf. Catégorie 6. Mais mec, rien de ça, c'est un tir parfait. Et je suis content. If we want to host elite world class hunters, we need to be the elite examples. I won't tell you what to do with your money, but at least outfit yourself with top gear.
Let's go. Il faisait dodo. Équipement débloqué. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On prend en chasse l'autre ou bien? Putain, je vais juste regarder. Alors. On a des traces ici. Putain, les pas se contredisent. Hein. Ah, il a fait un truc bizarre. Ça fait juste bien, bien du bruit comme il faut. Putain, je les shot de ouf, mec. Ça me termine. Putain, je suis content. Bah, voyez, on a eu notre premier trophée. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Argent. Ça aurait été bien d'avoir un Horde, c'est directement. Mais bon, faut pas. Pas déconner. C'est pas mal. C'est pas mal. On a un premier. Premier tir, j'ai touché 3 poumons. Enfin 3 poumons, non, 3. Ça m'intéresse pas. Mais pourquoi? Pourquoi il me ramène là-bas? Ouais, ça je suis au courant. Ah mais attends. Attendez, hein, je vais rader un truc, je vais rader. Putain, c'est un peu le bordel, j'y comprends. J'y comprends. Bah, vous savez. Ah, attends. Ou trop. Je crois qu'on a retrouvé l'autre truc, enfin l'autre cerf qu'on a en atterri dessus. Je crois que c'est pas mal. Hein. Crotte, ça dit quoi? Ancienne. Ah moi je vais pas le laisser hein. J'ai retrouvé sa trace, je vais pas le laisser hein. Quitte à m'éloigner un peu du campement, j'ai retrouvé la trace de l'autre cerf où j'ai tiré dessus, je vais pas le laisser s'en aller. Je sais que ça sert à rien de faire ce que je fais, mais au moins je gagne un peu d'argent et puis. Ok, et puis là t'as les crottes qui sont anciennes donc je m'en. Après il paraît que les crottes sont buggées donc je sais pas hein, mais.
Ça va être Bagdad. Ah là-bas. Attends. Ah, je suis content, vraiment. Je pensais pas que j'allais tuer un animal durant ce live. Hein. Franchement, moi j'étais en mode bon bah nick. Hein. Je veux jouer à ce genre de jeu, mais frère, je suis même pas sûr de faire un bon truc ou un. Non, c'est cool. Et mon tir était bien placé de ouf. C'est ça qui m'a surpris en fait. C'est que j'ai touché 3. Il est là, je l'ai entendu. Une nouvelle fois, ce qui fait chier, c'est la putain de verdure. J'ai dit que je l'ai entendu, mais c'était peut-être même pas lui. Hein. Il y a des crottes. Il a fait caca. M'en fous, je reste couché. Je prie un peu la gueule. Je sais que le vent il est pas contre moi cette fois, c'est cool. Très ancienne. Bon après je sais que les crottes faut pas trop se fier parce qu'elles sont buggées des fois. Ouais donc je disais les crottes faut pas trop suivre parce qu'elles sont buggées et puis mec ça résonne de ouf. C'est un caillou. Les crottes sont là. Mais il peut être à côté là. Hein. Putain, ça fait chier ces trucs verdoyants quoi. Par ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles de pas ou je sais pas trop quoi. Ah là-bas. Là. Oh trop, merde. Donc ça veut dire qu'il m'a vu et puis il a décampé.
Attends, je suis quoi, les mêmes trucs là ou pas? Je suis quoi exactement là? Les mêmes pas là? Fils de pute! J'ai stressé, je... J'ai stressé de ouf! Je savais pas trop quoi faire. J'étais en train de chercher. Putain, c'est numéro 1. Déjection à l'instant. Le mec s'est fait caca dessus. Ah putain, j'ai stressé. Putain, je suis dégoûté, putain. Il y a un point d'observation là. I don't care how skilled someone thinks they are. Growth and improvement are lifetime commitments. Experience beats raw talent. C'est pas celle que je veux de trace là. C'est quoi, c'est ça, ouais. Ah putain, je suis dégoûté. Oh mais j'ai stressé, je savais plus quelle touche c'était et puis voilà. Je suis dégoûté, ça fait deux serres comme ça que je laisse filer comme ça. Putain. Prochaine fois faut que je regarde les touches avant de stresser de ouf.
Bon bah je propose qu'on rentre. Après, il y a des bruits chelous là-bas un peu. Putain, je suis dégoûté. Ça fait deux serres que je laisse passer comme ça, quoi. Oh là. Tout ça parce que j'ai stressé et puis j'ai pas su trouver. Bon. C'est pas grave. On rentre à la base. C'est déjà pas mal. Bon, rentrer à la base déjà. Identity of Simona's father yet, but the lodge crew sent their gratitude for that game you harvested. They can't wait to barbecue it. And hello, it looks like you've reached the lodge. Quoi? We still have a lot of work to do here. There are water pipes in place, but no power system. I may need your help with that later. And once the place is built, we'll need to furnish it and fill it with trophies to impress our guests. One part of the lodge that is finished and has been for a while is my archery range. Have you seen it? Non, je l'ai pas vu. Ah. Ah, là-bas. Ah, putain. Je suis dégoûté. Ça fait deux trophées qui me passent sous le nez, quoi. Après, mec, un pompe, mec, il était en face de moi. Je lui ai tiré Ouais, un coup de pompe dans la gueule, deux fois, je crois. Puis deux fois il l'a encaissé. Mec, je sais pas, il est fait en tank, mec. Il est fait en métal le truc. Start by having a look inside the hunting blind and the hunting tower. To the left, if you are facing the range. These are the same models you'll be installing throughout the reserve. Bah, c'est pas grave. Ah! Ah, j'ai eu limité. Ok. 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 Deux balles. Ok. Ça c'est facile parce que ça bouge pas donc. Pas mal, pas mal, pas mal, je fais du bon scoring là. Je crois que c'est bon. Let's go. J'ai fait de la grosse merde. Je comprends pas le principe en fait. Je dois faire quoi? Je dois aller là? Want a little fun? Step onto the shooting platform and hit a bullseye on one of the targets. Yes, I know. The range is set up for archery, but if you don't have a bow, it's my range, my rules. Use a gun if you want. I do it all the time. Hey, that's how you hit the mark. But as shots go, that was an easy one. If you want real challenges, over the years, I've set up targets all over this park. That's the kill.
think you can match my greatest hits shot for sure. Just look for the stone circle on the ground as you explore. Et pas mal, hein? Vraiment pas mal. Oh, c'était nul, ça. Back to business. My friend Juliana runs a company that specializes in hunting and fishing expeditions. This week, she's bringing in a party of influential hunters to build excitement before we open to the public. One look at our red stacks and they'll be telling all their friends to hunt at Parque Fernando. Putain, je suis en train de penser que mes deux trophées, putain. We want to greet this party with a proper feast. And the chef has requested fresh game for the occasion. A black buck or an axis deer. There are plenty in the region around the lodge. So go out and hunt one for us, will you? Okay. Pardon me, ouais, my donc show quoi, is back on. Chasser une quoi, je dois chasser quoi, j'ai pas compris, Mais je m'en bats les couilles, monsieur. C'est pas vraiment ce que... Ouais, ok. Bah... Je vais aller voir ce que c'est là-bas. C'est un repère. Hein. Mais pourquoi... Ça marche. Après là, il y a des traces là, regarde. Je vais aller quand même faire ces traces là, ça me... Je sais pas. Ça me dit d'aller voir ça là-bas. Je vais aller regarder. Attends, mais il y a un nouveau équipement qui... Oh, et puis merde. Vas-y. Still no word on Simona's father. I envy you. Out in the wild, while I sit in this office living through a screen. I miss the serenity of hunting. I'd be out there with you. But arthritis, it ruined my shooting. Je sais, tu m'as dit. I had my time. A two-time back-to-back national champion can't complain. But she can live vicariously through you, can't she? En passant, si je peux essayer d'avoir un petit peu de des animaux, des traces, des trucs comme ça, moi je dis pas non. Par contre, la prochaine fois, je me concentre pour tirer. Et je prends la bonne arme, hein. Parce que putain, la dernière fois, j'ai fait de la merde, deux fois. Là, je suis dégoûté. Ah mais ça c'est les pas où je... Non, ça dégage, c'est pas la poubelle. Y'a pas moyen de recentrer les pas. Genre de légèreté, tu sais. Je pense que c'est pas possible, mais bon bref, c'est pas grave. Quelle heure vit-on ? 11h. C'est mort un peu, non ? Y a pas d'animaux ? Y a rien du tout ? Merde, j'ai retiré le marqueur.
la dernière fois, quand j'ai voulu essayer pour voir si ça fonctionnait le jeu, j'avais un cerf en fait. J'avais un cerf pile à peine que j'ai commencé, tu sais. Je me suis déplacé quelques mètres, même pas. Puis j'avais un cerf. J'essaye un peu tout. J'essaie de monter là-haut pour voir si je vois pas quelque chose, un truc, un animal. Mais c'est con que je puisse pas avoir un déplacement rapide. Mais ça, c'est la pire chose qu'il puisse avoir dans les parages, quoi. Ces plantes là, ça me termine. Bon, bah, je crois que je vais reset, je vais aller dormir. Tu peux me péter la gueule? Quoi? Merde! Oh, mais ça, je savais pas! Oh, merde! Bon. Bon, c'est pas grave. Mais je peux pas faire un voyage rapide, putain, c'est casse-couille ça. C'est un peu chiant un peu, non? Déjà observé. Bon, c'est pas grave. Je vais aller par là-bas. Oh, mais c'est là où j'étais avant de mourir en fait. Bon, c'est pas grave. Je propose d'aller voir les points d'intérêt là. Attends, il y en a un tout près, donc on va aller là. Pour une fois, on va changer de sens, puis on va aller là-bas. Puis avec un peu de chance, on va peut-être trouver des traces d'animaux que je peux suivre. Quelle heure vit-on? Je vais aller dormir, tiens. Toujours 11h29. 25, pardon. If you are tired,
hurting or waiting for a certain time to hunt, get some sleep. The world will still be here when you wake up. Champions like me get 8 hours and no less, every night. Oh, par contre... Il y a des drôles de bruit, hein, mais... Je parle pas trop parce que je suis occupé, hein. Enfin, je suis occupé. Attends, il y a des traces, on va suivre celle-là un peu, histoire de faire quelque chose quand même. Il était au pas là, je pense. Ça, c'est un puma, donc il n'est pas très gentil. Bah, j'espère juste pas avoir affaire avec le puma parce que ça risque de me faire chier. Ah, moi je suis patient. J'en ai rien à péter. Hein. Moi je suis patient de ouf. Putain, si je peux avoir un deuxième trophée au moins pour ce live, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de ouf. Le vent il est derrière moi donc ça va tranquille. Je crois que c'est ça. Hein.
Après, si j'arrive à shot un puma depuis là, franchement, ça serait pas mal. Hein. Ça serait un good game. Mais bon, après, le puma, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin... Puis je crois qu'on n'a pas. Ils m'ont dit que je devais pas chasser le puma, donc. Mais bon, peut-être sur un malentendu, hein. Mais je crois que le puma il te casse la gueule, hein. On rigole pas avec le puma, je crois. Je sais rien. Putain, il est toujours en trop, ça me saoule. Ah, mais attends, mais c'est un cerf Axis. C'est un autre cerf celui-là. Attends, je veux juste. Il est particulièrement actif à l'aube et au crépuscule et se repose à l'ombre des arbres pendant la journée. Ok. Ok. Apo Achital. Je sais pas ce que c'est. Par contre. Moi c'est. Merde, moi c'est le cri que je voulais avoir. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, je vais faire comment pour l'avoir? Parce que ça m'a. Merde. Ça m'a pas dit lequel je devais prendre. J'ai pas envie de me lever puis faire de la merde, tu vois. Ouais, je sais, mais j'ai pas, je crois que j'ai pas encore de points, donc pour les points très anciennes. En plus, on se dirige vers le puma, là. Hein. Pourquoi j'ai sifflé, c'était un putain. C'était un puma, il y avait un puma à côté de moi. Il y avait un putain de puma, je me suis trompé. Donc X c'est pour siffler ça. Ouais c'est Y. Oh putain. Je suis dégoûté. C'était pas X. X c'est pour siffler. J'aurais dû faire attention. Mais je découvre le jeu donc au calme.
J'espère juste pas me faire péter le cul par le puma en fait. Juste ça. Il est là-bas. Hein. Putain, il arrête pas d'être trop l'autre. Merde. Putain, j'avais entendu un animal à côté de moi, c'était genre. C'était un puma. Si j'avais pas sifflé, je pense que j'aurais pu attendre un petit moment avant de shot dans le puma. Angoisse. J'ai pas. Ah, j'ai perdu la trace du. Je vais voir si je peux pas mettre un point de talent en compétence. J'ai quoi? Un point de compétence. Oh, comme je pue la merde. Dans le monde,
Ok. Ça peut être pas mal. Putain, fais chier! Il était pas loin, hein. Cri d'accouplement. Not all drugs lead to animals, so I always apply the sniff test. If the droppings are fresh, your game is close by. But if you find all the droppings, that animal is long gone, and you should look for the more recent trail. Pas forcément, les déjections sont buggées. Ah, j'ai trouvé les traces. Putain, à un moment je les avais perdues, je crois que c'est les mêmes traces. Hein. Je vais pas me mettre à courir comme un dératé, parce que je sais pas, je sens qu'il est tout prêt. C'était
C'était quoi la touche pour courir automatiquement? Enfin, pour marcher automatiquement? Je sais plus. H. G. Fraîche. Non. Il est en trop. Toujours pas de signe de Jean Bobby. Je vais faire comment quand il va faire nuit en fait? Il est en bas. Il est en bas, mais je sais pas où il est. Là, il est en trop. Mais attends, on prend les mêmes traces là ou c'est d'autres différentes encore? Mais du coup, on peut se faire repérer, non? Putain de merde.
Putain, mais il doit être dans le coin, je crois, non? Dans la gueule. Je vais me permettre de... Oh putain, il était là. Il arrête pas de courir, putain. Je vais tracer, je vais commencer à l'enculer. Putain, c'est honteux, quoi. Vas-y, même le téléphone, il en peut plus, quoi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, putain! Ça fait un moment que je suis dessus là. Elle est belle la lune. Ça fait un moment que je suis dessus là. Arrêtez, vous faites chier là. Putain, ça fait plus de 30 minutes que. Mais ça doit pas être si compliqué que ça, ou bien? J'ai pas envie de chasser la nuit, ça me saoule. Passe la nuit déjà, là, avec la végétation, tu vois, rien du tout. Putain, il me dit pas, pas, puis après trop d'un coup, le mec il s'est chié dessus, il a eu peur. Putain, mais je galère de ouf, mec, hein. Oh putain! Je vais arriver là, je vais faire un putain de vacarme. Allez, c'est parti! Dès que je vais le shoot, mec. Je peux rien voir du tout, c'est un truc de merde, c'est un spot de merde. Putain, mais c'est un spot de merde!
Ah, mais moi je vous le dis, je vais le baiser. Hein. T'as un pire moment de la journée, quoi. Enfin, ouais. Oh, putain, la nuit, quoi. Le mec, il fait caca tous les 2 km, le truc, quoi. Mec, je suis sûr il a été tout au fond de la map, mec, c'est vrai. Attendez, il y a une guêpe. Je déteste les guêpes, il y a une putain de guêpe là. Mais tu veux pas aller te faire enculer là. Putain, bordel de... Putain de bordel, je me suis fait... Putain, je me suis chié dessus, je m'excuse. J'aime pas les... J'aime pas tout... désolé, je me suis fait. En fait, la guêpe elle s'est posée littéralement sur mon, sur ma main quoi. Il faut faire attention parce qu'elles peuvent te piquer donc. En vrai, je me suis jamais fait piquer par une guêpe donc je sais pas si je suis allergique ou même pas quoi donc. C'est un peu chaud quoi. Oui, donc je parlais de quoi? Oui. Ouais, je parlais de... Imagine si le... Si le cerf, il est tout au fond de la map. Putain, mais je vois pas à 2 km quoi.
Il peut pas faire dodo comme tous les autres animaux, merde. C'est pas possible qu'il soit actif toute la nuit ou bien. Entre mon personnage qui est au bout de sa vie. Là, il doit être trop pas, je pense. Je te promets que si on le voit, faut pas que je loupe mon tir. T'as un mec, je suis arrivé au fin fond de la map, quoi. C'est quand qui fait caca, parce que là ça fait un moment qu'il fait plus caca et que j'ai plus les crottes. C'est quoi ce bordel? Mais putain, il... Il y avait un cri, je voulais savoir si c'était un cri d'avertissement ou un cri d'accouplement. Bande de connards. Scandaleux. Non mais je suis patient. Putain, je suis tendu. J'aimerais bien pouvoir avoir des crottes, s'il vous plaît. Faudra vraiment que je puisse arriver sur un point culminant où lui me voit pas, mais par contre moi je peux le voir. Je sais pas si la lampe elle me fait détecter par les animaux, je pense quand même. Si c'est codé un minimum, ouais je pense.
Putain, ça fait bientôt une heure qu'on chasse le cerf Axis. Si au moins je peux le voir. J'ai entendu son cri, mais je l'ai pas vu. Je suis en train de me dire que peut-être on l'aura jamais en fait. Mec, regarde. Regarde par où est-ce que je suis. Je rappelle, je suis venu. Ça fait depuis là que je suis en train de suivre. Je sais même pas quelle heure il est. Dans le jeu, je dis. Puis là, ça fait un moment qu'il fait plus caca. Il doit être constipé, je pense. Il doit être constipé de ouf. Mais là, c'est full végétation, mec. Full végétation de ouf. En plus, il fait nuit, j'ai très peu de chance de le voir. J'ai envie de me lever puis de sprinter, mais après, frère, j'ai pas envie de tout. J'ai pas envie de tout péter, tu vois. Ah, ce bâtard, il se laisse pas faire, hein. Il bouge tout le temps, il est tout le temps actif. Putain, je croyais dans Slender The Arrival, tu sais. Sauf que non. Sauf que non, on ne chasse pas le Slender. Imaginez, ils mettent un mode chasser Slender. Attirez-le avec des cris.
Il s'arrête quand de bouger, putain? À un moment ou un autre, il devrait arrêter de bouger, non? Putain, dans quelle merde je me suis foutu, quoi. Il y a des crottes là-bas. Putain, la prochaine fois que j'entends un cri, je trage dans un APT. Bon, tu vas me dire que j'ai pas dû. Not all drugs lead to animals, so I always apply the sniff test. If the droppings are fresh, your game is close by. But if you find all the droppings, that animal is long gone, and you should look for a more recent trail. Attends, j'ai retrouvé sa trace. Oh putain, c'est... C'est chaud quand même, hein. Là, mec, ça fait bientôt une heure et quart, 1h10 que je suis en train de chasser le cerf Axis, mais... Tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est... C'est un cri, des pas, et puis c'est tout. Oh le fils de pute! Oh non!
Mais mec, je vais. Ch Oh putain! Oh là, c'est abusé, mec. M'en fous, je suis les traces de sang. J'ai pas envie de le lâcher là. Putain, j'ai pas envie de le lâcher, lui. Putain, je me suis dit, tiens, c'est lui, c'est une bûche. Ah, j'ai mal au cul, hein. Ah putain, non! Mais non, mais putain, mais monsieur, mais c'est. Normalement, les animaux, ils peuvent pas se soigner vu que. T'as aucun organe touché, quoi. En fait, j'aurais pu. Putain, si j'aurais eu le chien, je pense que le chien il aurait pu simplement me. Putain, je suis dégoûté. Il y a un moment, il veut pas crever ou bien?
Je m'en bats les couilles. Mais il y a un moment. Je pense pas l'avoir eu. Hein. Je vais juste aller regarder vite fait. Je m'en branle, je veux pas les zones de pâturage. Bon. Bah, je pense pas qu'on aura plus que ça pour aujourd'hui. Donc je vais simplement. Je vais aller là. Placer un marqueur. Vu que je suis dans la zone. Je vais aller me mettre. Je vais me mettre le point là. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ah putain, trop le seum. Trop le... Ah, c'est dommage, hein. Je suis dégoûté un peu quand même. Je suis dégoûté parce que bah, ça fait 3... Ça fait 3 trophées que je ramène pas quoi. Mais bon, on verra ça, je pense, pour un autre live. Pour l'instant, ça va. J'ai fait un premier shoot et puis j'ai fait un premier trophée. Et puis voilà. Après, je pense que la nuit, c'est très très compliqué de shoot des animaux, quoi. Faut aussi mettre ça que c'est la nuit et puis. Voilà. Je suis un peu dégoûté.
Après là j'ai un Casanita di Fabrizia. Après là ça peut être pas mal tu vois. 9 minutes à pied. Mais bon. On va faire un dernier trajet. On va aller à la Casanita di Fabrizia, Sabrina ou je sais pas qui là. Puis on va dormir et puis je pense qu'on va se quitter là en fait. Ouais, ça fait quand même. Ça fait quand même. Ça fait chier un peu. Ouais, mais bon, après chasser nuit, je pense pas que c'est utile. Enfin, c'est pas très cool en fait. Parce que déjà de base, en pleine journée, bah t'es un. La panthère. Cri d'accouplement. Puis moi j'arrive, je siffle comme un connard. Ah, je m'excuse, ça m'a claqué. Ouais, donc d'ailleurs, maintenant qu'on fait ce trajet ensemble, je tiens à préciser que vendredi soir, vers je pense 20h par là, je pense que on se retrouve en live sur Pokémon, enfin New Pokémon Snap sur Switch. Et voilà, c'était pour vous avertir. Il y aura un live ce vendredi. Ouais. Je vais dormir, il est quelle heure? Voilà donc, j'espère que cela vous aura plu. C'était Dark Pesa. On se retrouve vendredi soir vers 20h pour découvrir ensemble Pokémon, enfin New Pokémon Snap sur Switch. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.